Alors, on continue l'analyse des travaux possibles. Ah oui, ça c'est un logo, justement, oui, des logos basés sur des formes géométriques, ça peut être intéressant, voilà. Donc, mais pour les travaux possibles, ça ne vous conviendra pas. On va laisser tomber, je passe ça, mais je voulais juste montrer que ce logo me paraissait intéressant. Je passe au numéro 86. Ah oui, ça c'est juste un effet sur du texte. Là aussi, ça ne va pas vous intéresser. Intéressant à faire dans Illustrator, cet effet de texte. Ce serait intéressant de voir si vous arrivez à le refaire dans Illustrator, par exemple. Je passe au suivant. 89. Alors voilà, oui. Ça, je pense que dans Illustrator, en finalisant ensuite dans Photoshop, ça peut être intéressant. Donc éventuellement, en faisant des dégradés de forme, je ne sais pas comment vous voyez ça, en faisant des dégradés de forme et puis en décomposant et en venant avec un outil de distorsion, pourquoi pas. Comment vous feriez ça dans Illustrator? Pas évident. Hein, il y a aussi l'effet de hachure, hein, l'effet spécial de hachure. Une fois qu'il est décomposé, ça pourrait aussi nous permettre d'avoir des vecteurs. Ou alors vous feriez ça dans Photoshop entièrement, avec des traits de pinceau peut-être. Oui, peut-être faire les traits sur papier vectorisés. C'est vrai que c'est pas évident comme technique, finalement. Comment faire cette technique, c'est pas si évident que ça, en fait. Hein. On va voir un peu plus loin s'il y en a d'autres. Oui. Assez intéressant, hein. C'est le genre de choses, il peut partir d'une feuille de chou et garder les nervures et finalement, à force de triturer, obtenir ce genre de choses. Mais c'est un genre, hein. Vraiment c'est un genre. Mais en fait, c'est certainement, si ça tombe, c'est de la peinture tout simplement. Mais bon, on peut se poser la question de savoir comment on le ferait malgré tout en infographie s'il fallait le faire, mais je pense que c'est plus facile finalement de le faire peut-être en peinture. Sauf peut-être ceci. Donc voilà, c'est juste une source d'inspiration, mais quand même, ça me paraît être, pour obtenir quelque chose de bien, ça me paraît quand même être du haut niveau, ça par rapport à d'autres choses qu'on a vues. Donc ça, c'était le numéro 89. Numéro 92. Un effet de... Beaucoup d'effets de tramage dans Illustrator. Effet de tramage, c'est surtout ça qui est caractéristique dans ce travail ici, c'est l'utilisation de trames, de textures, donc certainement qu'à travers les objets servent de masque et puis on fait apparaître des textures, des choses, donc c'est ce qui me paraissait intéressant, mais c'est aussi du haut niveau pour arriver à refaire ce genre de choses, ce n'est pas évident. Ce ne sont pas, par rapport à d'autres travaux qu'on a vus, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, en fait. Hein. Donc, vous pourrez faire les travaux sur Procreate si vous voulez. Il suffit juste de le signaler, en fait. Hein. Bon, pour le 95, c'est un PDF avec un lien. Un lien qui va m'amener ici, voilà. Là-dessus, en fait. Avec des gradients, justement, des dégradés, voilà. Les dégradés dans Illustrator, et vous savez que dans les dégradés on peut mettre de la transparence comme dans Photoshop d'ailleurs, et superposition, et voilà, ça peut faire des choses sympas, et ça c'est quand même relativement plus facile à faire. C'est pas Photoshop ça? Tu ouais. Penses que c'est plutôt du Photoshop ça? Pour travailler les couleurs, ça pourrait être les deux, oui. Ça pourrait être du Photoshop aussi, oui.
À la base, il doit quand même y avoir du vectoriel pour arriver à faire les formes. Mais bon, les vectoriels peuvent se faire dans Photoshop. On peut utiliser les deux logiciels. Hein. C'est complémentaire de toute façon. Donc il y a pas mal de choses quand même. Avec petit effet d'animation. Ok. Bon, vous voyez un peu le genre. Hein. Alors, numéro 98. Voyons ça. Ah oui, des couverts fantaisistes. Ça peut être un sujet. Salvador Dali, 1957. Mais pourquoi pas tenter quelque chose comme ça en infographie. Suivant. Alors ça, ça fait clairement penser à un artiste connu. Gustave. Klimt. Gustave Klimt. Mais vous connaissez ça quand même. Non ? Alors il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Gustave Klimt, comme vous voyez. Et il y a plein de gens qui postent justement des choses nouvellement faites dans les logiciels ou des peintures à la manière de Gustave Klimt. Donc c'est très connu. Et donc je trouve que ce genre de doodle, vous voyez ces petits dessins, ça peut être très intéressant en fait. Hein. Ça peut être pas mal. Donc ce sont des choses que vous avez certainement déjà vues. Notamment celui-ci, oui, le baiser, c'est ça ou... Voilà, très connu ça. Ok, ce genre de choses aussi. Voilà, c'est celle qu'on a vue, qui a été retravaillée. Ben, on voit souvent ça en poster en fait. Hein. Ça se vend en poster, c'est assez décoratif. Et alors ce qui est caractéristique c'est chez Klimt, c'est l'utilisation du doré en fait. Hein. Dans ses peintures en fait. Hein. Donc il y a du doré dedans. Voilà. Ce qui pourrait être intéressant, c'est en animation, de donner cet effet doré sur la peinture, parce qu'évidemment, reproduire le doré sur l'écran, c'est pas évident, mais avec une petite animation des reflets, ça pourrait être bien. Voilà, donc à la manière de Klimt, c'était le numéro 101, qui reprenait carrément un tableau de Klimt. Décidément, fin de journée pour tout le monde. Ok, je passe au numéro 104. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui, toute une série avec ces animaux floraux. Vous voyez, je passe vraiment de... Voilà, d'un extrême à l'autre, ça part dans tous les sens. Mais donc, c'est la preuve que quand vous voulez faire quelque chose dans le cadre scolaire, vous n'êtes pas obligé d'essayer de faire un truc qui plaît aux formateurs, qui plaît aux profs, parce qu'en fait, la plupart du temps, les formateurs... De un, ils connaissent plusieurs mouvements, ils apprécient plein de choses différentes. Et de deux, ce qui les intéresse, c'est aussi des choses originales. Donc voilà, avec le grain du papier, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? On peut essayer de s'approcher de ça avec Photoshop. Je dis pas de faire des choses aussi poussées, parce que la réflexion, imaginer ça, ça peut prendre des heures, en fait. Hein. Donc, vous avez vu le nom de l'artiste. Ah, voilà. Et de manière pas trop étonnante, c'est japonais, en fait. Hein. Hiroki Tadeka. Et je termine la série pour cette année avec numéro 107. Voyons ce qu'on a ici. Ah oui, ça c'est de la photographie. C'est de la photographie qui peut être
Ce que je trouve, c'est la démarche qui est intéressante. C'est-à-dire que ce genre de photo, voilà, ça ne demande pas de matériel, ça demande juste, c'est juste le point de vue, quoi. On retourne la photo, quoi. Voilà. Et ça peut être très sympa d'imaginer des choses comme ça.